Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission dédiée au sport. Aujourd'hui, place d'honneur au rugby avec le Nyon Rugby Club. Un joueur et son entraîneur, son manager qui est avec nous sur ce plateau. Le joueur, tout d'abord, c'est Max Ducommun. Bonjour Max. Bonjour. Joueur, donc je l'ai dit, et talonneur. Qu'est-ce que c'est exactement que ce poste de talonneur? Oui, c'est en anglais hooker. C'est la première ligne. C'est celui qui prend tout à la gueule. Qui prend tout. Ah ouais. Et qui lance dans la touche. Voilà, il faut être un peu maso, Philippe, pour avoir ce poste-là. Complètement, oui. Philippe, le manager donc, de l'équipe, on dit D-Day manager. Vous êtes un peu l'homme à tout faire, c'est comme ça que tu me le disais tout à l'heure. Oui, exactement. Ouais, ouais. C'est un titre pompeux pour dire que je dois tout faire. Ramasser les maillots, organiser les repas, organiser les déplacements, consoler certains joueurs, enfin, on fait tout, quoi. Le papa. Ouais. Le match à venir, la reprise, elle est toute proche, c'est le 4 mars, samedi. Ouais. Il y a deux matchs importants pour la première équipe et la deuxième équipe à Avusy. On rappelle peut-être le classement des deux équipes. Alors, on a en fin de saison, avant la trêve hivernale, le plaisir d'être deuxième au championnat de Ligue nationale 1, deuxième avec l'équipe 2 au championnat d'excellence A. Donc, le Nyon Rugby va très très bien. On est super ravis. Et la reprise a lieu effectivement samedi à Avusy, au stade d'Athena à Avusy, contre l'équipe 1 et 2 du RC Avusy. Quel est l'objectif pour ces deux équipes au niveau du championnat? Ben, l'objectif, c'est d'être en phase finale pour la première. L'objectif, j'allais dire inavoué, ce qu'on veut, c'est au moins gagner un des deux titres, que ce soit la Coupe ou le championnat. Mm-hmm. Et à peu près la même chose pour l'équipe 2, parce qu'on a grosso modo 4 titres à portée de main. Il faut les faire, mais qu'on peut remporter, vu notre place au championnat respectif. C'est-à-dire être championnat de Liga et champion d'excellence A, et puis éventuellement la coupe Suisse. Le Nyon Rugby Club, c'est combien de membres aujourd'hui? C'est, alors, l'ensemble des licenciés, y compris les jeunes, je crois qu'on est 120 ou entre 120 et 140, je ne sais pas le nombre exact. Mais c'est un club. Ça fait une belle famille. Une grosse famille. Ouais. Une très grosse famille. Max, pour le rugby, quelles sont les qualités qu'il faut avoir, à part la carrure que tu as, pour le poste que tu as en tout cas, mais quel est l'élément pour faire du rugby, les qualités qu'il faut avoir? Oui, il faut qu'il y en ait un peu l'intelligent. Ça, c'est... Pourtant, on a l'impression que c'est un sport de brut. Que justement. Oui. Ce n'est pas le cas? Non, mais c'est ça. Pas pour lui. J'ai pas dit qu'il n'était pas intelligent. Hein. Non. Pour moi, surtout le poids. Les avant, on a beaucoup la puissance. Parce que, on le disait tout à l'heure, Max, ce poste-là, il est important pour pouvoir tenir, parce que c'est des centaines de kilos que tu te prends puisque tu es devant. Normalement, c'est nous qui doivent tenir le ballon. Ouais. Après, c'est les trois quarts. Le bac, qui font le jeu et le jeu collectif. Alors, c'est évidemment une question de bleu hein, que je vais te poser, Philippe. Le rugby, le football américain, quelles sont les différences? Alors, il y a pas mal de différences. Il y a un point commun, on a un ballon qui a la même forme. Qui est là d'ailleurs, qui est là. On a un autre point commun, c'est qu'il faut avancer coûte que coûte, y compris avec des contacts. Les différences qu'il y a, c'est qu'au foot américain, ils peuvent avoir des plaquages ou des charges sur des porteurs sans ballon, ce qu'on a heureusement, nous, pas le droit d'avoir. On n'a pas de protection non plus, à part les protège-dents et de temps en temps des casques qu'ils ont certains joueurs. On n'a pas les protections qu'ils ont au football américain. Et ça reste un sport de combat, je pense, dans les deux sports. Alors, la préparation pour la reprise, justement, je vous propose d'aller à la rencontre justement du Nyon Rugby Club. C'est Joël Brunner qui a décidé d'aborder la préparation physique du club avec le coach Patrice Philippe. Le tout a été tourné lors d'un entraînement au stade de Collevray. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après. Patrice Philippe, bonsoir. C'est la reprise hein, ce week-end. Comment est-ce que vous avez préparé vos joueurs? On les a préparés. On s'est retrouvés 6 semaines auparavant, donc à partir du 19 janvier, pour effectuer 2 entraînements par semaine. On a basé notre travail sur la condition physique. On a pu travailler sur la piste et sur le terrain synthétique jusqu'à présent. Sur la partie physique, on travaille sur des distances de course sur piste ou alors on travaille sous forme de circuit training. On travaille surtout sous forme d'intermittent, donc une partie effort, une partie récupération pour essayer de retrouver un petit peu les rythmes du rugby.
La salle de musculation, oui, c'est en dehors. C'est les joueurs qui vont, eux, en dehors des entraînements. Donc nous, on s'entraîne le mardi et le jeudi pendant 1h30, 1h45. Et eux, en dehors, à côté de ça, ils font de la musculation aussi pour se préparer individuellement. Oui. Ça a été dur au niveau intensité des entraînements. Beaucoup d'exercices de course, notamment pour essayer de se faire la caisse, comme on dit dans le jargon, donc d'augmenter un petit peu notre aptitude à aller pousser loin dans nos VMA, d'essayer de se faire un corps pour pouvoir enchaîner des temps de jeu à haute intensité en match. Et en parallèle, pas mal de petits exercices autour du dynamisme, du renforcement musculaire, pour essayer de... Voilà, d'être solide et d'être vif et de gagner en vélocité. On pose la main. Bon, j'aimerais bien qu'il soit trop préparé, ça arrive jamais trop. Hein. On est amateur, donc il y a toujours des absences à certains moments. Non, on essaie d'être au mieux tout le temps de notre forme, en fait. Là, on va monter progressivement en puissance, comme on a mis en place l'année dernière au niveau de notre planification. Donc une reprise ce week-end. On sait qu'on a un petit peu de retard sur la partie technique et collectif de jeu parce qu'on n'a pas pu trop s'entraîner. On ne s'est pas encore entraîné sur le terrain rugby. On s'est entraîné sur le synthétique et c'était assez compliqué par rapport au contact. On sait que ça sera compliqué, mais après, tous les ans, c'est la même chose. Hein. On a une grosse trêve de 2-3 mois et il faut reprendre pratiquement à zéro. Chose qu'on a fait, donc je pense qu'on a le groupe qui est assez fort mentalement et assez solidaire pour arriver à surmonter ce manque technique par de l'envie et la condition physique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, engage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a beaucoup travaillé de façon collective ce qu'on appelle le mouvement général, c'est-à-dire jouer en collectif complet sur des séquences à thème, départ sur touche, départ sur coup d'envoi, départ sur mêlée, pour travailler vraiment la dynamique générale du jeu, la circulation du ballon et des joueurs par rapport au ballon sur différentes phases. L'aspect tactique de gestion des matchs, un petit peu moins, c'est quelque chose qui vient plus avec la répétition des matchs et que les coachs essaient d'amener petit à petit au fur et à mesure que la saison avance. Nos objectifs sont clairs, hein, c'est de se qualifier pour les demi-finales, donc finir dans les deux premiers. L'objectif, c'est bien sûr de garder notre titre de champion et aussi cette année d'aller chercher aussi cette Coupe Suisse où donc on est encore en lice, où on joue en demi-finale contre Genève. Donc on sait que c'est notre gros concurrent et on espère cette année arriver au bout sur les deux parties, deux tableaux. Et voilà pour ce reportage au stade de Colevrain. On a vu tous les joueurs. Philippe, vous faites appel aussi au club à des joueurs étrangers. C'est le cas d'ailleurs de Max qui nous vient d'Argentine. Tout à fait. Oui. On fait pas appel. Hein. C'est des joueurs qui sont établis dans la région, qui viennent jouer avec nous. Je crois qu'on a 10 ou 12 nationalités différentes à l'intérieur du club, ce qui est assez intéressant parce que c'est 10 ou 12 façons d'aborder le rugby, la gestion d'avant-match, la gestion des matchs, la gestion d'après-match aussi. Donc c'est assez intéressant de vivre avec toutes ces nationalités tout au long de la saison. Et le rugby suisse, Max, il a une particularité. C'est un sport qui n'est pas vraiment très connu du grand public ici. Oui, pour la vérité, c'est... Franchement, c'est cool, c'est sympa, c'est amateur. Mais c'est comme en Argentine, le rugby, et c'est... si on parle d'une famille, franchement, il y a des amis, et... bon, le rugby, en fait, le sport. Et après, les championnats qu'on joue, et le niveau, c'est il y a top. Des niveaux quand même. Ouais, ouais. Il y a des niveaux. Philippe, je disais justement, cette culture, elle n'est pas très présente en Suisse. Pour les personnes qui nous regardent, peut-être, parce que je sais que vous avez des juniors, par exemple, dans le club, les parents peuvent avoir un peu peur en disant, mais ça peut faire mal, ça peut être dangereux. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les rassurer? Non, alors ça peut, effectivement, mais comme tous les sports, on peut se blesser à n'importe quel sport. On a, à tous les niveaux, d'ailleurs, des entraîneurs qui sont diplômés jeunesse et sport et qui font pas n'importe quoi pour mettre et la vie ou la santé des joueurs en jeu. Les matchs 16-18 ans sont pas des matchs avec la même intensité qu'en match senior, forcément. Les mêlées sont pas poussées, par exemple, pour pas avoir de problème. Et on a un règlement quand même au sein du rugby, notamment
notamment sur le jeu dangereux qui est assez strict, sur les plaquages hauts, les choses comme ça qui sont susceptibles d'avoir des cartons, qui calment un peu les ardeurs d'éventuels joueurs qui voudraient faire mal. Donc des risques, il n'y en a pas plus, je dirais, de jouer au rugby que de jouer au foot ou à un autre sport collectif. Je disais, il y a les juniors, il y a une équipe de filles et une équipe de seniors, on va dire, qui s'appelle les Cro-Magnons. Ouais. Donc c'est vraiment pour tout âge, tout profil. Alors on a, le Nyon Rugby, on démarre à 5 ans à l'école de rugby de Gland avec qui on a de très bons rapports. Et si comment ça, 5 ans, qu'est-ce que ça va devenir 15 ans après? C'est ce dont on attend avec plaisir. On a Patrice, Philippe, entre autres, notre coach, qui va de temps en temps les aider à faire les entraînements. Et effectivement, jusqu'au Cro-Magnon, c'est des joueurs qui ont joué plus ou moins à différents niveaux, qui continuent à essayer de jouer au rugby et de faire quelques matchs. Ils ont des tournées, des tournois internationaux, notamment avec d'autres équipes d'anciens. C'est surtout l'occasion de se retrouver et d'avoir des troisième mi-temps sympathique, quoi. Et puis, il y a des partenariats, notamment avec le club de Gland, par exemple. Alors, on a un partenariat avec le club de Gland parce que c'est vraiment la source de l'Union Rugby est très attachée à la formation interne. Je crois que sur la finale l'année dernière, je crois qu'on avait 14 ou 15 joueurs sur 22 qui étaient issus du club, donc on en est très très fiers. C'est la base des joueurs de demain. Et on accorde beaucoup d'importance à ça parce qu'on aime bien avoir des joueurs qui ont été formés en interne. L'école de rugby de Gland fait un énorme travail pour former les jeunes et leur faire apprendre et le jeu et les valeurs aussi du rugby. L'investissement dans la jeunesse, à travers le sport, à travers le rugby, c'est aussi une intégration tout court. On le voit avec Max. Tu me disais, Max, ça fait un an et demi que tu es en Suisse, avec une maîtrise du français quoi, quand même plutôt bonne après un an et demi. Le rugby a aidé justement à cette intégration ici. Franchement, le rugby, ça a beaucoup aidé. Quand je suis arrivé, je parlais quasiment rien. Et maintenant, ça se voit que je comprends mieux. Et je pas. Oui, et tu te débrouilles plutôt bien. Philippe me disait, il y a trois mots, il savait, hein, Max, quand il est arrivé. Bonjour, au revoir, bonjour. Merci. Voilà. Oui, il y a eu une évolution quand même depuis. Et puis alors, on parlait de partenariat, il y a aussi une question de solidarité. Il y a un programme qui est mis en place avec un club du Sénégal, Dakar, je crois, les Lions de Dakar. Oui, exactement. On a reçu l'année dernière un jeune entraîneur du ministère des Sports du Sénégal qui est venu faire un stage via le comité olympique à Lausanne, qui est venu se former avec nous et compléter sa formation avec nous. On a créé des liens. On leur a déjà donné un jeu de maillot parce que malheureusement, ils n'ont pas les moyens qu'on a. On doit leur envoyer des cartons de matériel parce qu'ils font un énorme travail auprès de la jeunesse à Dakar et notamment auprès des filles qu'ils essayent de sortir un peu du milieu familial, leur faire découvrir le rugby et essayer qu'elles s'émancipent toutes seules en dehors de la famille. Donc là, c'est un envoi de matériel. C'est un envoi de matériel pour les aider et les soutenir. Max et Philippe, je vous propose de faire une petite pause sur la question du rugby pour aller à la rencontre d'un autre sportif, un nouveau portrait. La semaine dernière, c'était la nageuse Malika Gobet. Nous vous proposons cette semaine le portrait d'un autre nominé au mérite sportif nyonnais, le judoka Vincent Génito. Bonjour, je m'appelle Vincent Génito, j'ai 20 ans. Je fais du judo depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans. J'étais dans l'équipe nationale. Aujourd'hui, je m'entraîne au judo club Morges. Je m'entraîne aussi de temps en temps au judo team Nyon quand j'ai le temps ou quand j'ai pas le temps de venir à Morges justement. J'ai une maturité professionnelle de commerce. Avant, j'ai pu faire un apprentissage dans le domaine bancaire. Le judo, c'est un sport qui demande beaucoup de sacrifices. Quand mes amis sortaient entre eux ou bien ils allaient boire des verres, ben moi, c'était soit l'entraînement, soit je me reposais avant une compétition ou après une compétition. Et je pense un des gros sacrifices aussi pour le judo, c'est au niveau alimentaire. Donc, comme on est dans des catégories de poids, on combat dans des catégories de poids, on doit faire attention à notre poids en permanence. La compétition, elle commence pas le jour même. On a tout ce cheminement qui se met en place. Donc vraiment, regarder ce qu'on va boire, ce qu'on va manger aussi, regarder par rapport à nos adversaires, analyser leurs techniques. Quand je monte sur le tatami, c'est pour me faire plaisir, donner mon maximum et puis que l'adversaire soit plus,
plus grand, plus lourd que moi. Voilà, j'essaye de ne pas prendre ça en compte et de vraiment me donner à fond à chaque combat. Et puis on verra à la suite du combat comment ça se passe et puis à la suite de la compétition, le résultat que j'ai fait. Là, j'ai 3 médailles qui me sont les plus chères. Donc simplement celle-ci, c'est la médaille du tournoi de Bergame en Italie. Ici, j'ai la première médaille en Coupe d'Europe officielle. Là, en fait, c'est ma dernière médaille en Coupe d'Europe, donc en Espagne, à la Corogne. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu toute ma famille qui m'a soutenu depuis mes 5 ans dans le judo. Je les remercie vraiment pour ça. Donc voilà, le judo, c'est bien plus qu'un sport, c'est vraiment une école de vie. Et puis j'invite tout curieux à s'initier au judo et je pense qu'il aura beaucoup de plaisir là-dedans. Un portrait signé Michael Hamann en collaboration avec l'ASSN. Justement, le judoka Vincent Genito évoquait les exigences, notamment liées au poids. En rugby, Philippe, il y a des éléments à prendre en compte avant un match ou de manière générale. Au contraire, il faut être solide et puis il n'y a pas de restrictions particulières. Non, il n'y a pas. Enfin, il y a quelques restrictions, bien entendu, parce que, comme disait Max tout à l'heure, le niveau est énormément augmenté en Suisse. Donc, il faut quand même être relativement prêt, si ce n'est prêt avant chaque match, pour éviter notamment les blessures. De régime alimentaire propre, il n'y a pas vraiment. Les jours de match, on essaye d'avoir, bien sûr, des sucres lents, on a des repas sportifs. Donc, c'est-à-dire que toute la saison, on est tous les week-ends, on mange des pâtes et du blanc de poulet. Donc, on en a un peu marre en fin de saison, mais ça va. Il y a surtout une hygiène de vie au niveau de l'hydratation et puis d'essayer qu'il soit couché de relativement de bonne heure pour arriver réveillé le lendemain. Voilà, ça. Évidemment, ça va de soi. Au niveau des entraînements, en saison, Max, il y a combien d'entraînements, de matchs par semaine? On fait 2 entraînements par semaine, mardi, jeudi. En soirée, comme on l'a vu en soirée, dans les images. 19h, genre 2h, j'ai un entraînement. Et entre nous, on fait la musculation aussi. Entre nous, il y a la salle de musculation à collaborer aussi, qu'on utilise lundi, mardi, jeudi. Et on fait, des fois, on fait un entraînement lundi ou mercredi, soit la reprise. Ça dépend évidemment des moments de la saison, naturellement. On rappelle, la journée cruciale pour le Nyon Rugby Club, c'est ce samedi 4 mars à Avuzy. Avuzy contre Nyon, à 13h, la deuxième équipe pour l'Excellence A. Et puis à 15h, la première équipe. Donc si vous voulez bouffer du rugby, c'est la bonne journée pour y aller toute l'après-midi ce samedi 4 mars. On arrive à la fin de cette émission. Un mot quand même avant de conclure, un message pour Max. Max qui est célibataire, il a 25 ans. Et qui est prêt à donner son numéro, on ne va peut-être pas le donner à l'antenne, mais Max, le message est passé. Un petit message aux dames qui nous regardent, qu'est-ce qu'elles y gagnent à vous appeler ? Un Argentin, qui est très bien. Qui est sympa en plus. En plus, il est sympa. Bah, oui. Cuisinier. Et cuisinier en plus. Ah oui, c'est quoi le petit plat qu'il faut mijoter pour une soirée en tête-à-tête ? Bon, ça dépend quelle soirée aussi, ça dépend quelle fille, mais... Ça dépend quelle fille. Ouais. D'accord. On n'en saura pas plus. C'est le suspense. Ben voilà, c'est la surprise. On en saura peut-être un peu plus la prochaine fois qu'on invitera Max sur ce plateau. Max, Philippe, merci beaucoup pour votre présence. Merci. Bon match pour samedi. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. À jeudi prochain. Ciao.